l'école, alors à la fois défaut de formation, et puis j'ai lu dans votre livre, les instits sont spécialement poreux aux fausses nouvelles. Oui, bah effectivement, en fait, quelles que soient les institutions, et l'école y compris, eh bien, nous sommes tous sujets aux fausses croyances. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, nous gagnerions tous à nous former à l'esprit critique. Mais l'école, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux, tout le monde va à l'école, on est de plus en plus nombreux à arriver au bac, voire aller à l'université, où vous enseignez d'ailleurs. Pourquoi on n'est pas suffisamment armé à ce moment-là de l'histoire ? Parce que c'est simplement une question peut-être de hasard, d'opportunité. Moi, j'aurais très bien pu ne jamais savoir que l'esprit critique existait. Donc, en fait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage, c'est qu'en fait, je me suis dit que j'avais envie de donner l'opportunité aux gens de bénéficier des mêmes contenus d'information que ceux dont moi j'avais bénéficié. Donc, c'est aussi une question de contexte. En ce sens, les gens qui croient ne sont pas, croient par exemple, même le fait que la Terre est plate, ne sont pas des imbéciles. En fait, ils raisonnent à partir de prémices qui ne sont pas les bonnes. Et les critères de raisonnement qu'ils utilisent ne sont pas non plus toujours les bons. Et d'où la nécessité de disposer de compétences qui nous permettent de hiérarchiser ces connaissances. Parce que les faits, les prémices, comme vous le dites, ne suffisent pas. Il faut questionner leur fondement, questionner leur articulation. Et si on ne fait pas tout ça, bah, effectivement, on en arrive à croire à n'importe quoi. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, en fait, l'esprit critique nécessite en fait, d'être connu spécifiquement, explicitement. Ça n'a pas de lien, de rapport direct avec l'intelligence.